Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une toute nouvelle astuce qui vous permettra, permettra d'XP et de gagner de l'argent tout en même temps. Et tout ça, bon je vais pas dire rapidement parce que la manipulation est vachement longue. Bah il n'y a pas vraiment de manipulation mais c'est vachement long. Mais en tout cas vous gagnez vraiment un max de thunes. Mais quand je dis un max c'est vraiment beaucoup beaucoup comme je l'avais dit sur, mon Facebook personnel. J'ai fait l'activité, j'ai gagné 28 000 $ et plus de 6 000 RP, ce qui est vraiment énorme. Donc pour cela, vous allez tout simplement créer une capture de votre choix. Donc vous créez une capture. Personnellement, j'en ai créé une. Vous créez avec le mode éditeur. Donc si vous ne savez pas, depuis la mise à jour 1.12, on peut créer des captures. Donc du coup vous en créez une, vous faites vraiment les paramètres de votre choix. Personnellement moi j'ai décidé de la faire exactement à cet endroit là et vous mettez vraiment le temps, le plus de temps possible, c'est à dire que le maximum je crois que c'est 1 heure. Bon personnellement je vais pas mettre 1 heure parce que sinon la vidéo va vraiment être très très longue, même si cette fois elle va être beaucoup beaucoup plus longue que les autres fois. Donc vous créez un mode capture et une fois que vous êtes dans ce mode capture vous allez tout simplement inviter un max de vos potes et réaliser ce mode capture, sauf que vous n'allez pas terminer la mission, vous allez tout simplement vous arrêter à la fin, c'est à dire que vous allez attendre qu'il reste une seule valise à livrer. Et une fois que la dernière valise reste à livrer, vous allez tout simplement vous balader, aller un peu à la base militaire, etc. Tout simplement pour que la partie dure le plus de temps possible. C'est-à-dire que plus la partie durera longtemps, plus vous allez gagner. Pardon. Plus la partie sera longue, plus vous allez gagner d'argent et d'RP. Donc personnellement, moi je vais pas tout faire. Je vais faire toute la partie. Oui, certes. Mais je vais la faire tout en accéléré parce que vous en doutez. Je vais pas faire une vidéo de 20 minutes. Donc personnellement, comme vous le voyez actuellement à l'écran, on a une technique, c'est-à-dire qu'on utilise la technique du relais. Donc je vais l'expliquer pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est-à-dire que vous allez sûrement être plusieurs dans une même équipe. Vous allez tout simplement vous mettre un de chaque côté et vous allez attendre. Si vous êtes plusieurs dans une équipe, c'est-à-dire que vous êtes deux dans chaque équipe, il y en a un qui commence par prendre la mallette et qui va la livrer. Donc une fois que la mallette sera livrée, elle sera directement reposée dans votre spawn. Et à ce moment là l'autre joueur se tient prêt directement à la reprendre. Et une fois qu'il l'a pris, il n'a plus qu'à recommencer et l'amener dans le camp d'à côté. Et vous vous faites exactement la même chose. Et cela bah, je peux vous dire que ça va vraiment vraiment très très vite comparé à ce que vous aurez pu faire tout seul ou faire chacun votre tour à cette vitesse là. Donc voilà, je vais livrer la dernière mallette. Après, une fois que cela sera fait, ce sera la fin, c'est à dire que vous n'allez plus livrer de mallette. Bah en tout cas après vous faites vraiment comme vous voulez, mais si vous voulez gagner beaucoup d'argent et beaucoup d'RP, je vous conseille de suivre ma technique. Après, une fois que la dernière mallette est posée, vous allez tout simplement arrêter et vous rendre et à ce moment là vous allez tout simplement vous rendre à la base militaire. Donc pour moi j'ai invité des abonnés pour réaliser cette mission, donc je leur fais une petite dédicace. Je vais pas citer tous vos gamer tags, mais en tout cas ils apparaissent à l'écran. Donc il y en a beaucoup qui ont bugué, je m'en excuse. Donc si jamais vous voyez la vidéo, je vous fais quand même une dédicace. Donc la partie va vraiment être très très longue, c'est pour ça que je vais la mettre en vitesse x4 ou x16, je sais pas trop. En tout cas elle va être beaucoup plus rapide et vous allez voir que au final je vais gagner vraiment beaucoup beaucoup d'RP. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao bye bye tout le monde.